Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Vous assistez actuellement à la première mi-temps de la rencontre comptant pour la 18e journée du championnat de France de première division opposant Metz à Saint-Étienne. Nous sommes au stade de Saint-Symphorien devant une assistance assez nombreuse. Les Stéphanois qui attaquent ici en maillot vert, culotte blanche, et Metz se défendant en maillot blanc, culotte noire. Je rassure immédiatement les amateurs de football, la marque est vierge, 0-0 entre les deux équipes. Et nous suivons un tir ici de Beretta qui passe juste à côté des buts gardés par Johnny Schutt, le gardien de Metz. Casselan en retrait. Il y avait Massé qui marque le premier but mais refusé. Le juge de ligne avait levé son drapeau. Jean-Michel Larquet. Oh, joli tir de 30 mètres, 35 mètres même. Belle remise de Massé pour Bourgeois. Osknecht, il y a Combin et Casselan dans la surface de réparation. Pour Casselan, oh là là, que c'est très bien joué. Très belle action de Metz. 26 minutes de jeu. Toujours 0-0. Et encore un pied de Monsieur Wurtz qui a permis aux Stéphanois de récupérer le ballon. De Larquet, Larquet de donner à Patrick Revelli, reprise du gauche. Oh, très belle détente de Johnny Schutt. Ah, s'il y avait eu but, je pense que le public aurait violemment protesté. Contre-attaque. Larquet. Très bonne couverture de balle de Jean-Michel Larquet, qui est maintenant le patron de cette formation stéphanoise avec Beretta. Santini, oui, a donné à Larquet, attention, bien placé. Oh là là, la transversale qui renvoie. Remarquable tir de Jean-Michel Larquet. Ça chauffe dans le camp messin depuis quelques minutes. Beretta toujours en position d'ailier gauche. Très belle remise de la tête, Jacquet juste au-dessus. Je trouve que c'est un football très simple et peut-être que Saint-Étienne est en train de prendre une certaine emprise sur le match. Beretta qui était seul dans la surface de réparation. Parizeau, superbe but de Patrick Parizeau. Après cette passe de Beretta, eh bien exactement, c'est drôle parce que tout à l'heure je demandais à Patrick Parizeau au vestiaire combien de buts avez-vous marqué depuis le début de la saison, et il m'a dit eh bien j'en ai marqué aucun malheureusement. Eh bien voilà Patrick, c'est le premier réussi à la 32e minute de jeu après une fort belle passe de Beretta. Patrick Parizeau inscrit donc le premier but et Saint-Étienne mène 1-0. Je dois vous donner une précision, nous n'avons malheureusement pas le ralenti. Et vous ne pourrez donc revoir cette très belle action et cette très belle offensive stéphanoise qui a donc amené le premier but. Peut-être l'égalisation si Massé peut récupérer, oui. Massé, oui, voilà l'égalisation. Oh là là. Et le but marqué après cette passe de Massé. But marqué par l'ailier gauche Castellan malgré les protestations de Beretta qui réclamait un hors-jeu. Eh bien incroyable, en une minute vous avez eu deux buts. Excellent joueur Parizeau vraiment qui a bien servi. Oh que c'est bien vu cette reprise du gauche de Patrick Revelli sur la transversale encore une fois. Combin attend le ballon dans la surface de réparation. Oui, contrôle de Nestor Combin qui déborde sur la droite. Oh oui, de la tête, oh, sur un poteau. Très belle remise de Nestor Combin. Et de la tête, Castellan a poussé son ballon sur un montant. Mais le juge de ligne avait signalé l'arbitre, Monsieur Wurtz, sifflant à l'instant la fin de cette première période. Combin en retrait pour son capitaine Bourgeois. Bourgeois qui s'infiltre, Kurkovic est fort bien sorti. Et vous avez vu deux plongeons, et du gardien et du capitaine de Metz. Jacquet tout seul sur la gauche. Ah, Jean-Michel Larquet qui n'hésite pas à tirer. Santini, talonnade pour Larquet. Oh, bien placé Larquet qui a voulu tirer du gauche, il préfère donner. Beretta. Oh, oh là là, de l'extérieur du pied gauche. Pauvert. Tir de Pauvert. Oh là là, fantastique tir de Pauvert. Oh là là, de la tête, Nestor Combin, regardez.
Oh là là, le tir extraordinaire repoussé par la transversale et Nestor Combin qui avait fort bien suivi. En déséquilibre, a pu tout de même donner un coup de tête, mais malheureusement, le ballon est passé et a été dévié par Kurkovic. Le match s'anime et les supporters messins encouragent cette équipe, son équipe. Combin. Dégagement du point de Kurkovic. Pérignon va centrer, oui. De la tête Combin, deuxième tête de Combin, Castellan maintenant aux prises avec Merchadier. Bourgeois tire en belle sortie de Kurkovic. Bourgeois qui a tiré à ras de terre et Kurkovic a fort bien écarté le danger. Au vert Combin. Oh oui, Castellan tout seul devant Kurkovic, il d'un côté du pied gauche. Oh là 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 là. ...25 minutes avant la fin de cette rencontre, les deux équipes étant toujours égalité, un but partout, deux buts marqués en première période et pourtant les occasions n'ont pas manqué depuis le début de la deuxième mi-temps. Broissard, Beretta, tir de Beretta et vous voyez que Johnny Schutt est obligé de s'y prendre à deux fois pour contrôler ce ballon. Et juste à côté, ce tir en pleine course. Jacquet donne à Beretta. Ah, il n'est pas en position de tir. Oh, mauvaise passe de Pérignon. Oh là là, c'est dangereux. Et belle sortie de Müller. Contre-attaque maintenant. Et l'arbitre, Monsieur Wurz, a perdu ses cartons jaunes et rouges. Massé en position d'ailier droit, centre, sortie de Kurkovic. Il y avait devant lui Castellan et Combin. Centre de Beretta, tête de Parizeau. Oh là là, la transversale. Près cette tête de Santini. Oh, l'occasion manquée par les attaquants stéphanois. Contre-attaque pour Metz, cela va extrêmement vite. Combin. Oh, Santini. Une tête plongeante. Attention, Pauvert. Qui pousse un peu loin son ballon et Parizeau